Et bien sûr, petits amis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Super Dragon Ball Heroes War Mission. Donc, l'UT 1.5 a permis à un nouveau portail de sortir. Non pas qu'on va encore invoquer une fois sur les cartes ajoutées. Vous savez encore une fois que par rapport à la dernière vidéo, on a braqué le portail comme pas possible. Voilà, voilà. L'UT 1.5 a certes mis des cartes en ajouté, mais également sorti un nouveau portail ici. Donc, DB Heroes, le secteur DB Heroes est là. Et il est vraiment très sympa. Alors, bon, je trouve que, en soi, les cartes ajoutées sont meilleures. Mais là, franchement, rien que pour une chose, les cartes Dragon Ball GT sont mises à l'honneur dans cette... dans cette section. Alors, il y a également des superbes cartes ici, comme Gohanado, Super Saiyan 2, Kamehameha Familial. Franchement, j'adore. Le Végéto, incroyable. Le Goku SJ3. Alors, l'illustration qui est la même que Dokkan, ça c'est marrant. Également un Dr. Mew. Comment c'est chaud à quel point Dragon Ball Heroes il porte un respect sur des personnages que pourtant tout le monde a oublié. C'est un truc de fou. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir des personnages qui à la base sont vraiment mais pas du tout parlés ni reparlés du tout, qu'on ne parle pas d'eux. Et t'as DB Heroes, il les remonte d'une certaine façon à la surface. C'est un truc de fou. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà le super Omega, il y a des GT comme tu veux, en vois-tu, en voilà, voilà, même Satan GT. D'ailleurs, j'adore la gueule de la carte, avec le Shenron derrière et tout. Ça fait vraiment plaisir. Ou Badult, Vegeta GT, Mr. Boo. Voilà, Mr. Boo qui est différent du Boo, hein, du gros Boo, si je puis dire ça comme ça. D'ailleurs, tu as le mode fusion pour fusionner en Majoub, voilà, ce qui est vraiment excellent. Donc vous avez peut-être compris, oui, Super C7 également, ça fait très plaisir. Absorption de qui quoi? Attends, je vais essayer de voir si... Ok. Si attaqué avec un Kikoa, réduit fortement les dégâts reçus et puissance plus 3000. Répétable à chaque fois. Sachant qu'il y a 98% des attaques qui sont du Kikoa. Il y a moyen de te faire une team GT, mais du feu de Dieu. C'est tout un truc de fou. Donc Sorbet, bon là on commence sur les cartes un peu plus useless. Bon, du film Fukatsu no F pour le coup. Là par contre, ça me parle mieux. Gogeta GT. Mais ils ont jeté des cartes ici, je trouve elles sont magnifiques d'ailleurs. 8300 en attaque. 8300 en attaque les gars. Truc de ouf, je trouve honnêtement. C'est énergie de héros de équipe est détruite, littéralement. Endurance entièrement restaurée. Et moins 1000 à la garde de l'ennemi. À la fin de la manche actuelle et répétable constamment. C'est incroyable. D'ailleurs, tu peux également faire avec un Gotenks adulte un combo, donc pourquoi pas. Alors ok, bon. Alors t'as un nouveau Zamasu également, la carte est sublime, je trouve, ce Zamasu. Donc c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir, ce Zamasu mine de rien. Alors, c'est vrai qu'il y a des belles cartes ici, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Même le Beerus, j'ai pas une affinité énorme avec lui, mais je trouve que la carte est vraiment magnifique pour le coup. Alors, Bardock, Trunks, vous remarquerez qu'il y a énormément de cartes 4 étoiles, hein. C'est vraiment, c'est fou. Enfin, voilà, on a beaucoup de bons personnages qui sont vraiment sympas. D'ailleurs, oula, C18, elle a une drôle de tête ici, je trouve. Bon, si tu veux. Alors, Super C7 encore une fois, Vegeta avec un Goku derrière. Ok, Golden Freezer, why not, why not. Le Mochi, je sais plus d'où ça vient. Il me semble que ça vient de GT aussi, hein, oui, il me semble que ça vient de GT. Mais j'ai plus de souvenirs d'où, en tout cas. C'est peut-être l'arc Metal Rilt, peut-être, j'ai plus. Alors, Baby en forme enfant, enfin, c'est pas tellement la forme enfant, c'est la forme parasite. Voilà, c'est la vraie traduction, voilà, n'oublions pas. Alors, Super Baby 2, mais le Ozaru derrière, il est magnifique. Voilà, c'est un Baby 2 qui peut se transformer en Ozaru, voilà, tout simplement. Donc, il peut devenir un singe, voilà, c'est quand même vachement cool. Et franchement, le reste est quand même assez qualitatif. Hein, voilà. Chrono, hein, en plus. Chrono 4 étoiles, tiens à signaler. T'as également Poutine, t'as également plein de bonnes cartes, mais il y en a beaucoup hein, dans cette extension, c'est un truc de fou d'ailleurs. Son Goku SJ Blue, qui devient, je pense, Kaioken, hein, voilà, tout simplement. Enfin, ce Black Goku, alors, je trouve qu'il a une drôle de tête. Par contre, la carte, elle est sublime. Niveau des effets et tout, ils ont vraiment géré. Voilà, voilà, bon, on passe un petit peu. D'ailleurs, Ryan Shenron, et c'est là que je trouve que cette extension est vraiment très sympa. Ça remet en avant l'arc Dragon Maléfique, et notamment d'ailleurs, ce Son Goku Kaioken est juste sublime. Voilà, je tiens à le dire aussi. On remet beaucoup du ITGT, vous avez vu, avec l'arc Metal Rid et tout, mais regardez. Raja Shenron, Ryu Shenron, Shi Shenron, et évidemment l'apogée, les gars, Sin Shenron.
Alors, dommage qu'on n'ait pas de Lee Shenron encore, mais je pense vraiment que ça ne saurait tarder. J'espère qu'il y aura une prochaine extension qui ajoutera un Lee Shenron. Et pourquoi pas également une Android 21 en mode Evil. Enfin, en mode Majin Evil, tout ce que tu veux. Ce serait vachement cool. Bref, trêve de bavardage, vous avez vu un petit peu ce que je veux, et ben c'est à peu près tout. Voilà. Et je sens qu'on va vraiment avoir du très bon. Voilà, alors j'ai ce premier tirage, allons-y. Oh, alors. Alors, ok. Alors, j'ai eu mon Sin Shenron en première unité. C'est la carte que je voulais le plus limite. Oh, je suis tellement comblé. Je suis tellement comblé. Oh là là, vous avez même pas l'idée. Oh, c'est génial. En plus, la chrono 4 étoiles. On a eu un Vegeta CJ4, un Goku CJ4 également. Ah, ce serait le feu. Alors, si je pouvais avoir le Super Baby 2 qui se transforme en gorille, ce serait incroyable. Vraiment. C'est la deuxième carte que je veux le plus en fait. Bon, on l'a pas eu. Mais on a eu la Toa 4 étoiles. Toa 4 étoiles qui peut servir à la team avec Silas, Hams et compagnie. Donc pourquoi pas, on prend toujours. De toute façon, c'est toutes des nouvelles cartes. Moi, j'ai envie de te dire, ça ajoute à ta collection globale. Et moi, j'ai envie de te dire, tu prends malgré tout. Voilà, allez, on y va pour le reste. Oh, le Zamasu. Le Zamasu, les gars. Oh, le Zamasu. Il est là. Le Zamasu. Oh, je suis tellement content. Oh, dans une team divin, ça va être excellent. D'ailleurs, on a eu un petit Metal Rild. Un Gohan SJ4, j'ai l'impression, en haut à gauche. Pourquoi pas. Alors, Jaco, en soi, Joseph un petit peu de ce personnage. Cependant, la carte est vraiment belle. On a eu le Goku Kaioken, un Goku CJ4. Un Devilman un petit peu bizarre, je sais pas, Xeno Devilman peut-être. D'ailleurs, Devilman qui est un des personnages les plus puissants de Dragon Ball, hein, je tiens à dire. Faut pas oublier que. Si Devilman, voilà, si Devilman. Faut pas oublier que Devilman, son pouvoir, c'est que si tu as une part de négativité en toi, une part de ténèbres, le mec te one-shot. Remettez-le dans un truc du genre Dragon Ball Super, mettez-le face à Zamasu. Est-ce que Zamasu ne perd pas le combat face à Devilman? Je sais pas, mais je pense que oui, hein, très certainement. Bref, on lance la prochaine ulti. Alors, le baby, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, c'est dommage. Alors j'ai un Golden Freezer, ok. Une autre Towa, du Goku Blue en voiture, voilà, ok. Ah, dommage. Bon, j'ai eu un petit Mira également, pourquoi pas. Bon, je vais retenter. Et je vais faire des multis jusqu'à avoir ce fucking baby, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Je te le dis tout de suite. Ah, j'ai eu le Gohan Kamehameha familial. C'est bien ça. J'ai eu également Mister Satan. Alors, ça va être marrant de tester genre une team avec Mister Satan, Videl, tu sais, tout ça. Ou même avec des cartes Dragon Ball. Genre des cartes Budokai Tenkaichi, ça peut être sympa. J'ai toujours pas eu mon. Ah, j'ai vu un Wizard avec le CJ3. Je me suis dit, ah, c'est lui. Mais non, c'est pas lui. Ok. Alors, j'ai eu également, je vois en haut à gauche, j'ai eu carrément un Vegeta GT qui se transforme en Vegeta SJ4. J'ai également eu un Cell deuxième forme qui se transforme en Cell forme parfaite. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire aussi, j'ai eu un Whis, ok. Ah, j'ai eu des CJ3. Mais bon, voilà, c'est la vidéo GT, hein, c'est vraiment la vidéo à thème GT, j'ai envie de te dire aussi. Donc, j'enchaîne les invocations jusqu'à avoir mon fucking baby. Ok. Alors, j'ai eu un Super C17. Ça, c'est très bien, les gars. Ah, mais toujours pas de Baby Vegeta. Bon. Allez, dernière multi. Après, je vais tenter quelques singles. Oula. Super collectionneur de cartes, merci beaucoup. Par contre, bah, super collectionneur, ouais, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Encore, oula. Alors, j'ai eu Kibito, un Goku CJ3, ok. Sorbet, ouais, Gotenks. Magetta, ouais. C'est pas tellement ce que je veux. Alors bon, on va tenter par coup de single. On va voir si on a de la chance dans les singles pour le coup. Oh, le Goku Blue qui se transforme en Goku Blue Kaioken. Why not? Franchement, on prend. Allez, on y va. Allez. Le baby, le baby, le baby. Ah non, Vegeta GT. Vegeta GT. Ok. Ah, allez. J'ai envie de ce baby Vegeta. S'il te plaît, mon gars. Déconne pas avec moi. Je le veux. Ah, ok, on a eu Ryu Shenron, on a eu le Gogeta CJ4. On a eu un baby. Bon, pas le bon. Mais on a eu le Parasite Baby. Ok, on a eu Kiabe. Mais Kiabe, je m'en fiche tellement de toi aussi, j'ai envie de te dire.
Ok, donc on drop quasiment tout ce qu'il faut, sauf le baby. C'est un truc de fou ça quand même les gars. Bon allez. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, Majin Vegeta et Black Goku. Et un... Alors... C'est qui? Je pense que c'était... Alors, Trunks SSJ 3 peut-être, je sais pas, parce qu'il avait une épée sur le dos. Une autre carte que j'avais droppée également. Alors, Ryan Shenron, Mira... Et on a eu le baby. Yes! Yes, 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 yes! On a eu le baby, les gars. Ah, ça fait du bien. Bon, on a eu un nouveau Mira également, Ryan Shenron, mais surtout le baby. Ah, oh, je le voulais tellement. En plus, sa carte est tellement magnifique. J'ai hâte de le jouer, mine de rien. Franchement, j'ai hâte de le jouer. Ah, la carte, elle est tellement belle, les gars. Je sais pas à quel point j'adore Baby dans Dragon Ball GT. Mais bon, j'ai fait une review de Dragon Ball GT, j'ai envie de te dire aussi, pour dire à quel point j'adore ce personnage, à quel point il a marqué mon enfance, à quel point, franchement, il est dans mon cœur, ce personnage, c'est un truc de dingue. Et franchement, je suis tellement content de l'avoir eu. Enfin, la manche, équipe... Ok. Ça va, pourquoi pas. Bon, en même temps, tu peux l'améliorer avec d'autres capsules, donc c'est pas perdu pour autant. Et donc, on va lancer la multi-bonus, voilà. Bon, je pense qu'on est peut-être 80% du détecteur, mais je pense qu'on est pas plus mal aussi. Oui. Oh, pas grand-chose, mais pourquoi pas. Peut-être que lui, le Super Omega, il peut peut-être éventuellement rentrer dans une bonne team avec le Dr. Mew, Rildo, Baby et tout. Donc je pense qu'on peut être pas plus mal. Ouais, c'est à tester. C'est à tester, écoutez les gars. Alors, je vais faire ma multi-bonus pour la vidéo. Et oui, encore ma multi-bonus, hein, vous m'excuserez les gars. Et moi j'ai envie d'en faire une en plus. Alors, full doublon peut-être? Non, pas full doublon. Même plusieurs cartes et le Goku SSJ3 qui tombe. Ah, ça fait plaisir. Et il y a un doublon de Baby. Et un doublon de Baby, mais bon, ça sert à rien, doublon de Baby, j'ai envie de te dire aussi. Voilà, alors, sachant que j'ai énormément de morceaux, je vais même aller... Ah, on va aller rigoler, les gars. Combien de morceaux j'ai? Ah oui, d'accord. 999 morceaux. Donc, je n'ai plus de place pour rentrer des morceaux. Ok. Ok, si tu veux. Bonsoir, bah écoutez, petits amis, c'était vraiment cool, en tout cas. Franchement, j'ai droppé tout ce que je voulais. Bon, en même temps, le jeu est très généreux, hein. Faut quand même pas dire ce qu'il est. C'est pas comme un autre gacha game, comme Dokkan ou autre, où t'es encore plus content d'avoir ce que tu veux et tout, sachant que les taux drop sont quasiment pas les mêmes, hein. Voilà, j'ai envie de te dire aussi. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir en tout cas de dropper pour faire des nouvelles cartes, faire des nouvelles teams et tout, et jouer pour son plaisir, voilà, voilà. Bon bah écoutez, petits amis, je vous laisse sur cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo, c'était Téléphone, à bientôt, petits amis, ciao, bye bye les gars.